Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. Aujourd'hui, petit déballage d'une super petite enceinte. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais cette enceinte peut être customisable. Le top du top, les amis. C'est parti. Salut à tous, les amis. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler de TMB Panda Speaker. C'est une enceinte entièrement customisable par vos soins. C'est vraiment le top. Elle a un son du top du top. On va la déballer. Et pourquoi je vous présente cette petite enceinte ultra géniale? Je trouve cette enceinte ultra sympathique en termes de design, en termes de son, accessible bien sûr iOS, Android. On va tout de suite la déballer, les amis, c'est parti. Surtout si tu aimes les vidéos de customisation, si tu aimes iOS, Android, Windows et Mac, si tu aimes les démos et si tu aimes les unboxings, abonne-toi sur cette chaîne Vision High Tech, la chaîne qui parle d'accessibilité, d'high tech, vidéo. Et c'est parti pour cette vidéo, les amis. On est donc face au package, on va faire ensemble le déballage. Cette petite enceinte customisable est vraiment ultra géniale. Je vous mettrai le lien dans la description où vous pouvez trouver ce genre d'enceinte. Sinon, vous n'avez qu'à marquer TMB Panda Speaker customisé et vous allez trouver ce genre d'enceinte. Franchement, le top, on est sur une petite boîte rectangulaire. On va ouvrir ce package. Alors, ce que je trouve super génial dans ce genre d'enceinte, c'est vraiment son style. On est sur une petite enceinte super puissante et entièrement customisable. Je vous mets en gros sur votre écran l'intégralité du packaging. Alors, on la déballe. Alors, bien sûr, cette enceinte sera compatible iOS Android. Alors, ça peut être une superbe enceinte qui peut customiser votre bureau, partager votre quotidien. Vous pouvez donc la prendre. Elle est compatible VoiceOver, TalkBack. Elle est compatible Commentary Screen Reader. Elle est compatible tous les amis. C'est une petite enceinte en forme de petit bonhomme avec par exemple un masque ou une paire de lunettes que je vous mets ici en gros, super sympathique. Et c'est d'ailleurs à cet endroit là que va sortir le son. C'est vraiment le top. Alors on peut s'apercevoir que ce petit bonhomme porte un casque audio sur la tête. C'est franchement cool, des petits pieds. À l'arrière on trouve sa connectique et on va trouver trois boutons. Bouton de marche arrêt, juste à la gauche de la connectique. Et à sa gauche, on aura donc un bouton avance rapide et retour rapide. Et pour gérer le son. J'adore le côté lunettes de soleil, masque en fait, là où va sortir le son. Qu'est-ce qu'on trouve ensuite dans le package? Eh bien les amis, ici, écoutez ça. On va tout simplement trouver le stylo à billes, le stylo encre. Pour customiser notre enceinte, c'est de la folie. Vous pouvez faire ce que vous voulez sur votre enceinte. Vous pouvez marquer ce que vous avez envie. Et ça, c'est le top. Par exemple, si je lui fais... Alors, grâce à ce crayon qui s'efface d'ailleurs, vous allez pouvoir customiser, marquer, faire des dessins, faire ce que vous désirez sur votre enceinte. D'autant plus que avec cette enceinte, vous allez pouvoir passer des appels, recevoir des appels, répondre aux appels grâce au petit bouton qu'il y a derrière. Or, le coût de cette enceinte, on est sur à peu près une quarantaine d'euros. Vraiment, cette enceinte est géniale de par son design. C'est vraiment cool. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'une telle petite enceinte, si ça vous donne envie d'avoir cette enceinte à customiser, à peindre soi-même. Vous pouvez tout écrire dessus, vous pouvez jouer les graffeurs. Vous pouvez tout graffer ce que vous voulez sur cette enceinte, c'est ultra génial. Alors, est livré avec l'enceinte, donc son câble de type micro USB vers USB-A pour la recharger. Et voilà donc tout ce qui est livré avec cette enceinte. Bien sûr, vous pouvez la connecter à n'importe quel appareil Bluetooth. On va tout de suite la connecter à notre iPhone et voir le son qu'elle dégage. Alors, on va démarrer notre petit bonhomme TMB Speaker. On le retourne. On appuie sur le tout petit bouton à la gauche de la connectique. Écoutez ce qui se passe. On a donc notre enceinte qui clignote. On est prêt à partager notre enceinte. On part sur notre iPhone. Dans réglages. Dans Bluetooth. On s'aperçoit que notre enceinte est bien présente. On la valide.
DNB Panda, connexion en cours. On vient d'entendre le petit bip. Comme quoi, la connexion a bien réussi. Page 1 sur 5, réglage. Page 1 sur 5, Outlook, téléphone, 20 Safari, message, 31 messages non lus. On va mettre un petit peu de musique pour voir si le son est bon, c'est parti. Alors comme vous pouvez voir, cette enceinte est vraiment très petite, 3 heures d'autonomie, elle possède une batterie de 300 mAh, il y a de quoi faire, ça rentre dans une poche de chemise et le son est vraiment parfait. Vous pouvez par exemple l'utiliser lorsque vous faites de la numérisation avec votre voice-over, votre talkback. Comme je vous ai dit, elle est compatible Android et iOS. Alors monte le son. Bonne petite basse, franchement, c'est le top. Là, vous entendez actuellement sur votre... Actuellement, vous entendez l'enceinte fonctionner. Alors, vous pouvez gérer l'enceinte avec les boutons volume de votre smartphone. Vous pouvez donc gérer avance rapide, retour rapide à l'arrière. Je vous dirai simplement que je l'adore, cette enceinte. C'est vraiment le top. Cette enceinte. Alors ici, j'ai lancé un appel à partir de mon enceinte. Alors ça va ou quoi? Tu vas passer sur YouTube là? Tu passes sur YouTube là dans un petit bonhomme, c'est pas cool ça? Bah ça fait robot. C'est normal, c'est un robot là qui te parle. Ouais, j'ai entendu YouTube. Donc tu vas passer sur YouTube grâce à la TMB Picker, une petite enceinte bonhomme. Je te rappellerai plus tard, salut. Deux fois rapidement, je lance un appel et une fois, je raccroche. Juste avec mon enceinte, ici, je lance mon appel, une fois, ça se passe sur le bouton marche arrêt, le bouton complètement à gauche de l'enceinte. Ici, je peux décrocher si je veux. Oui. Ouais. Alors, attention, quand vous appuyez deux fois rapidement sur le bouton marche arrêt, ça lance le dernier appel qui a été fait sur le téléphone. Voilà donc pour cette petite enceinte customisable, la TMB Speaker customisable, donc une petite enceinte ultra sympathique que j'avais envie de vous présenter. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne si vous aimez donc les nouveautés high-tech. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo sur Vision High-Tech. Salut à tous.